Bonjour à toutes et bonjour à tous. À crise sanitaire sans précédent ou presque, réponse hors norme de la part des États en soutien de leurs économies. 100 milliards, dont 40 issus du Fonds européen, sont mobilisés jusqu'en 2022 pour faire plus que relancer la machine économique française, la transformer également. Au-delà des chiffres, impressionnant, le moment est venu pour beaucoup de collectivités, de décideurs économiques, de préparer leurs dossiers, de demandes d'accompagnement financier de leurs projets, auprès de qui peuvent-ils le faire, comment, pour quel projet, voilà une partie des interrogations auxquelles nous allons répondre pendant cette rencontre Sud-Ouest TV7 autour de la question centrale du jour. Crise du Covid-19, quelles aides pour soutenir vos projets dans le cadre du plan de relance ? Pour répondre à cette question et beaucoup d'autres encore, dont les vôtres, lecteurs, nous pouvons compter sur la participation de Patrick Martinez, qui est directeur régional de la Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine, Yves Laporte, responsable création et entrepreneuriat à BPI France Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Baptiste De Senlis, directeur interrégional sud-ouest de CDC Habitat. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à cette invitation et d'éclairer un petit peu nos lanternes, à la fois sur le plan de relance et ceux à qui ils s'adressent effectivement. Alors, projets, entrepreneurs, collectivités. On va brasser tout cela pendant presque une heure. Je vais peut-être commencer avec vous, Patrick Martinez, si vous le permettez. Alors, je rappelle, Patrick Martinez, que vous êtes le directeur régional de la Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine. Alors dites-moi, en quelques mots et en quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous présenter la Banque des Territoires de Nouvelle-Aquitaine, justement ? Alors, la Banque des Territoires de Nouvelle-Aquitaine, c'est pour l'année 2020 un milliard d'euros à peu près apportés au fonctionnement du développement territorial à travers 31 projets qui ont été suivis au titre de l'investissement des entreprises, 803 millions consacrés pour la mise en œuvre de 7800 logements neufs, logements sociaux neufs ou de rénovation, 4245 logements rénovés grâce auprès de la Caisse des dépôts Banque des Territoires. Également un travail sur les prêts aux collectivités locales et le soutien aux collectivités locales à pratiquement 85 millions d'euros. Donc tout ceci a été réalisé grâce à l'engagement de 85 collaborateurs qui sont aujourd'hui sur 4 sites à Bordeaux, à Limoges, à Poitiers et à Pau, et qui sont à la disposition des collectivités locales, des entreprises et de tous ceux qui font le développement territorial. Rappelez en quoi la Banque des Territoires joue un rôle clé dans l'organisation de cette relance économique qui sera l'axe central de notre intervention. Pouvez-vous nous rappeler les grandes données, justement, les chiffres et les secteurs clés, les différents piliers aussi du plan de relance baptisé France Relance ? Alors, France Relance, c'est évidemment une initiative de l'État, annoncée par le gouvernement fin août 2020, compte tenu de l'importance de la crise sanitaire et de la nécessité de ne pas décrocher. Et pour ne pas décrocher, le gouvernement a engagé 100 milliards d'euros sur ces fonds et sur un certain nombre de leviers, comme ceux apportés par la Caisse des dépôts, pour pouvoir tout simplement stimuler la demande, faire en sorte que nous puissions, au-delà de la gestion de crise, préparer l'avenir à travers un certain nombre d'éléments à prendre en compte, au titre desquels je citerai les besoins de développement durable, d'habitat, de médico-social, de tourisme ou encore de transition écologique et environnementale. En fait, le plan de relance permet de dire à chaque chef de projet qu'il faut continuer à s'inscrire dans le développement malgré la crise pour essayer de préparer le monde de demain et faire en sorte que nous soyons en situation de pouvoir réaliser un certain nombre de projets qui paraissent indispensables également pour le pays. Donc, de ce point de vue-là, l'apport de la Caisse des dépôts est de l'ordre de 26 milliards d'euros, dont 3 milliards de crédits nouveaux dans les 100 milliards que le plan gouvernemental met en œuvre. Rappeler effectivement que le plan de relance doit être accaparé par les collectivités notamment, c'est une des missions principales de la Banque des Territoires. C'est-à-dire que la Banque des Territoires travaille autant avec les collectivités que les entreprises, mais en complément de ce que fait BPI. BPI, tout à l'heure, Yves Laporte nous dira quelle est l'intervention, notamment sur la partie
exploitation, prêt et gestion des projets d'entreprise. Nous, on est plus cantonné sur la partie immobilier d'entreprise, notamment, ou développement des projets d'entreprise à travers des projets d'investissement. Donc, ce que nous faisons, c'est évidemment avant tout de travailler avec les territoires et leurs acteurs sur un certain nombre de programmes nationaux. Je citerai Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, Territoires d'Industrie, mais également essayer de satisfaire aux besoins exprimés par les élus et la population sur un certain nombre de sujets qui aujourd'hui sont particulièrement prégnants. Je citerai notamment l'avenir du commerce. Aujourd'hui, la Banque des Territoires a une commande du gouvernement à constituer une centaine de foncières de redynamisation en France. En Nouvelle-Aquitaine, on est en train de travailler en ce moment sur la création d'une douzaine de structures de cette nature, dont l'objet serait, par exemple, de porter un certain nombre de biens vacants dans les centres-bourgs et de s'intéresser simultanément aussi à de l'immobilier d'entreprise pour pouvoir faire renaître les centres-bourgs et développer les territoires. Voilà une intervention très concrète que nous menons actuellement. Donc, pour faire ça, nous essayons effectivement de combiner nos savoir-faire. Aujourd'hui, en tant que banque publique, nous avons une faculté aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, de développement d'ingénierie. Il faut savoir prendre les bonnes décisions. Et la Banque des Territoires est une banque publique qui apporte des moyens d'ingénierie considérables. Rien qu'au cours de l'année 2020, nous avons apporté pour quasiment 4 millions d'euros d'ingénierie au territoire, pour faire environ 150 études. Ces études, ce n'est pas une fin en soi. Je le dis toujours aux élus et aux décideurs. Ce n'est jamais qu'une aide à la décision. Ça ne se substitue pas à la décision, mais ça permet de faire les bons choix pour pouvoir déterminer ce qui est efficace ou pas. Vous êtes un interlocuteur quand même privilégié des collectivités. Est-ce que vous avez le sentiment que ces collectivités, elles se sont emparées en fait de ce plan de relance? Est-ce qu'elles ont bien compris l'intérêt de ce plan de relance? Est-ce que vous êtes beaucoup sollicité? Bien entendu, à côté de l'État, les collectivités se sont engagées. En premier lieu, la région, dont c'est le rôle, et qui a émis un plan de relance régionale qui vient conforter, si je puis dire, le montant considérable qui a été fait par l'État en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons évidemment à gérer une problématique des collectivités qui à la fois sont appelées aujourd'hui en surcoût de fonctionnement parce que la crise Covid, ça coûte beaucoup dans le cadre des mesures sanitaires qui doivent être prises partout. Lorsqu'il s'agit de faire en sorte que les écoles travaillent différemment, eh bien, il y a un surcoût en termes de fonctionnement. Lorsqu'il s'agit de réaménager les modalités de transport, il y a un surcoût au titre du fonctionnement. Et donc, les collectivités sont beaucoup appelées là-dessus. Mais elles doivent également penser aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que plus que jamais, on a un vrai sujet, j'y reviendrai tout à l'heure, de préparation des enjeux pour des questions qui nous rattrapent tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise sanitaire, mais nous sommes aussi dans une crise climatique permanente. Et c'est quand même le moment de prendre les bonnes décisions pour faire un certain nombre d'aménagements et d'infrastructures qui permettront de mieux gérer ces crises-là. Parce que, je le redis, et c'est quand même un point crucial, cette crise n'est pas une crise du financement. C'est une crise qui est liée. Ce n'est pas une crise de la liquidité. On n'est pas en 2008-2009. Voilà. On est dans un vrai, je dirais, dans une problématique d'interruption de la demande liée à l'arrêt d'un certain nombre d'activités, mais ce n'est pas une crise de la liquidité. Vous diriez que la Nouvelle-Aquitaine est particulièrement dynamique en nombre de projets à financer. Et là, je parle bien sûr des collectivités, mais aussi des entreprises. Eh bien, écoutez, nous, on ne voit pas le nombre de projets s'interrompre. Enfin, je cite souvent ce proverbe chinois, en toute crise jaillit une opportunité. Il est clair que c'est dans ces temps-là qu'en général, on a un certain nombre de sujets qui se déroulent devant nous en termes de restructuration et de développement. Il faut anticiper la sortie de crise d'ores et déjà. Je sais que ce que j'évoque peut paraître difficile pour certains qui aujourd'hui se retrouvent dans une non-activité. Mais ce que l'on constate, c'est que beaucoup d'entrepreneurs pensent le coup d'après.
Et notre sujet, c'est de les aider à voir le coup d'après différemment aussi. Je vais prendre l'exemple du tourisme. Le tourisme est un sujet extrêmement important pour la Nouvelle-Aquitaine. C'est à peu près 10 points de PIB. Mais aujourd'hui, alors même que nous avons eu un été particulièrement dense en termes de fréquentation, parce que les Français ne sont pas sortis de France, et que la région de Nouvelle-Aquitaine apparaît parmi les plus grandes régions touristiques, est-ce qu'on doit continuer à travailler avec les mêmes variables? Est-ce qu'on doit être sur des structures qui souvent sont des petites structures familiales? Est-ce qu'il ne faut pas aider à l'investissement de ces structures? Est-ce qu'il ne faut pas proposer de nouvelles méthodes de reprise de biens, en lease-back par exemple? C'est peut-être le moment de faire un saut, je dirais qualitatif aussi. Faire des aménagements supplémentaires, mettre aux normes de développement durable, prévoir le digital. Tout ceci, c'était de toute façon indispensable pour être dans la lutte qui est une concurrence quasi mondiale au niveau du tourisme. Nouvelle-Aquitaine est très bien placée pour le faire. Et dans ce cadre-là, nous préparons avec la région un fonds d'investissement qui permettra d'intervenir dans ce domaine. Vous êtes en train de dire, Patrick Martinez, que si on imagine redémarrer comme avant, on se trompe. De toute façon, si on croit que dans ces périodes-là, il ne va pas falloir gérer les grands enjeux de développement durable et d'aménagement, effectivement, on se trompe. Nous, on passe notre temps, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui aussi à travers ce webinaire, à pouvoir expliquer aux élus et également aux entreprises qu'il s'agit évidemment de toujours préparer l'avenir en essayant de mobiliser les savoir-faire. Donc, partant de là, par exemple, aussi la rénovation des bâtiments, est-ce qu'on va en parler longtemps ou est-ce qu'on va la faire ? Aujourd'hui, cette dimension-là, elle complète totalement la production d'énergie renouvelable. La Nouvelle-Aquitaine est la première région au niveau national de production. La Banque des Territoires est un investisseur important au travers des différentes structures de portage de l'énergie renouvelable. Mais nous allons également, grâce notamment au fonds que mettra en place l'État sur la rénovation des bâtiments publics, mais également grâce au dispositif que la Banque des Territoires met à disposition des syndicats d'énergie et des collectivités locales, essayer de se dire qu'on ne va pas attendre 10 ans de plus pour une école qui soit aux normes énergétiques. On ne va pas attendre 10 ans de plus pour avoir un logement social qui soit aux normes énergétiques. Aujourd'hui, avoir un logement aux normes, c'est faire économiser à un foyer tous les ans un montant annuel en moyenne de 400 à 500 euros. Il faut en être conscient. Une collectivité qui n'investit pas dans la rénovation de ses bâtiments, c'est autant de fonctionnement supplémentaire qu'elle devra imaginer demain sur la partie chauffage. Donc, ces questions-là, elles sont là depuis longtemps. C'est peut-être le moment, effectivement, d'en faire plus dans ce domaine. En clair, si je résume votre intervention, si vous dites investissez, quoi. C'est le moment. Il faut investir parce que de toute façon, encore une fois, les questions qui intéressent la population sont là. Un autre exemple qui est très parlant, c'est la gestion de l'eau. On est dans une région qui, ces derniers temps, a eu beaucoup de ressources cumulées. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'on a des problématiques de sécheresse et qu'on se fait rattraper par des sujets comme des réseaux qui ne sont pas aux normes. Une déperdition de 50% parfois dans l'alimentation de l'eau. Est-ce que ça, c'est un sujet qu'on doit maintenir alors même qu'on a les moyens d'investir? Il me semble que c'est l'occasion aussi de faire un geste très puissant pour le développement durable en remettant aux normes et en réhabilitant toutes les structures, les infrastructures qui vont préserver la ressource en eau. C'est là qu'on réconcilie finalement les grands enjeux planétaires avec les petites réalisations territoriales. Relance est une opportunité pour rattraper un peu de retard, je pense, à certaines infrastructures. On est d'accord sur le fait qu'on a globalement beaucoup de travail à faire. Il y a des choses, indéniablement, il y a des choses qui se font, mais dans l'espace des collectivités locales, une question est clé, c'est l'endettement. Est-ce qu'il faut s'endetter, notamment sur du long terme, pour gérer ou pas des problématiques qui arrive là dans les 20, 30, 40 ans. Bon, pour nous, la question, elle est très claire. C'est évidemment oui, et s'endetter sur des très longues périodes pour les objets, les infrastructures qui le méritent. Une station d'épuration, un bâtiment, on ne va pas s'endetter sur 10 ans. Il faut s'endetter, bien entendu, plutôt sur 40 ans et effectivement
jouer sur un lissage hein, de ces emprunts pour éviter d'être trop impacté, notamment sur le fonctionnement de la collectivité. C'est un des sujets qui est le plus important pour nous, que nous reproduisons régulièrement, notamment depuis le logement. Mais je crois que cette question-là devient de plus en plus prégnante pour les décideurs. Diriez-vous que les banques privées jouent le jeu ? Écoutez, moi, il me semble que les banques privées n'ont pas de raison de ne pas jouer le jeu. Aujourd'hui, ce que l'on doit constater, c'est qu'effectivement, les banques privées doivent prendre le relais. C'est ce qu'elles ont fait au niveau du PGE. Hein, Yves Laporte y reviendra largement. Le PGE a été largement diffusé en Nouvelle-Aquitaine. Donc, les banques privées ont travaillé en la matière. Maintenant, il faut éviter d'être dans la frilosité vis-à-vis d'une exposition au risque, et notamment dans certains domaines. Et il nous revient quelques difficultés de financement pour certains secteurs d'activité. Bon, en la matière, il faut quand même avoir une certaine confiance et ne pas s'arrêter là, parce que sinon, chacun ne sera pas dans son rôle. Encore une fois, ce n'est pas une crise de la liquidité. Hein, et ceux qui ont fait confiance aux banques pendant des années et des années souhaitent pouvoir trouver leur accompagnement aujourd'hui, alors que c'est plus difficile. En même temps, je comprends qu'un certain nombre de structures, si elles n'étaient pas à l'équilibre, si elles étaient en difficulté, ne pourront pas forcément se projeter. Mais pour autant que des segments comme le tourisme, le commerce aient parfois du mal à trouver le financement dans les banques est un sujet qui nous préoccupe. Patrick Martinez, merci. On va continuer le tour de table si vous le voulez bien. Je reviendrai vers vous pour vous soumettre à la question et notamment celle des lecteurs et auditeurs. Yves Laporte, je vais me tourner, j'ai envie de dire, non, c'est n'importe quoi, c'est une expression parce que je ne me tourne pas du tout vers vous. Je ne fais juste que regarder un écran, comme vous l'aurez tous compris. Yves Laporte, je rappelle que vous êtes responsable création et entrepreneuriat à BPI France Nouvelle-Aquitaine. Déjà, peut-être question aussi rituelle, hein, quelle est l'organisation de BPI France dans notre région ? Alors, oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. BPI France, déjà, on est né en 2013. C'est la réunion, effectivement, de plusieurs ensembles qui étaient déjà préexistants, déjà au service des entreprises. Hein, c'était COSEO, FSI et CDC Entreprises. Et on est détenu par l'État et la Caisse des dépôts à parité et de manière tout à fait minoritaire par les banques françaises à hauteur d'1%. En Nouvelle-Aquitaine, c'est 5 implantations, donc 2 directions régionales, Poitiers et Bordeaux, et 3 délégations territoriales, Limoges, La Rochelle et Pau. Dites-moi, les différentes missions, je vous ai un peu coupé ouais. Dans votre réponse, j'en suis désolé. Ouais. C'est quoi les différentes missions en fait, de BPI France ? Le cœur du sujet de BPI France, c'est de faire naître et grandir les entreprises françaises au travers d'outils financiers et d'accompagnement. L'idée, c'est de leur permettre de croître, de créer de la valeur et indirectement, en fait, de créer des emplois. Et pour ça, on met à disposition des entreprises un continuum de financement au travers de 7 métiers. C'est d'abord le financement de l'innovation, où là, en fait, l'objectif, c'est de réussir à convertir les résultats de la recherche en produits et en entreprises. C'est finalement de transformer nos chercheurs en entrepreneurs. C'est aussi le financement des investissements. Donc là, on est sur l'activité, je dirais, classique de BPI France. On intervient en cofinancement avec les partenaires bancaires sur des programmes structurants d'acquisition de matériel, de croissance externe et autres. Un troisième métier qui est complémentaire, c'est aussi la garantie des financements, où là, on va intervenir, j'allais dire, en risque pour sécuriser les montages et faciliter l'accès au crédit, d'autant plus sur des projets risqués comme la création ou la transmission d'entreprises ou des programmes, d'internationalisation des entreprises. Le quatrième métier, qui est aussi un des piliers de BPI France, c'est l'intervention en fonds propres et quasi-fonds propres auprès des PME, des ETI et des grands groupes,
où l'idée là, c'est d'être un investisseur patient, minoritaire, mais qui joue un rôle d'entraînement avec les autres partenaires bancaires pour donner le carburant nécessaire pour faire des investissements aussi structurants, donc en fonds propres et en quasi-fonds propres. Et ensuite, il y a le métier de l'accompagnement, qui est un métier qui est un des plus jeunes dans la maison, mais qui est très structurant. Donc, on part du triptyque conseil, formation et mise en réseau. Et on va aux dirigeants, avec ce triptyque-là, faire en sorte de rompre la solitude du dirigeant et de lui amener un écho avec d'autres chefs d'entreprise, de la formation et du conseil avec des conseillers externes à l'entreprise pour qu'ils puissent effectivement se mettre en ordre de marche pour se développer. On voit que vous intervenez de manière très, très, prégnante à l'intérieur de l'entreprise, au sein de son capital. Vous pouvez prendre des parts conséquentes du capital d'une entreprise en soutien, ou est-ce que vous êtes limité dans votre prise de participation, Alors, comme je vous l'ai dit, on intervient effectivement à différentes strates, en prêt, en fonds propres, en garantie. Et l'idée, quand on intervient en fonds propres, c'est qu'on est, la banque courte échelle. Donc, on souhaite effectivement être toujours en cofinancement ou en co-investissement. Et lorsqu'on intervient en co-investissement, c'est toujours de manière minoritaire et de manière aussi patiente dans le temps pour permettre au projet de se lancer, d'arriver à maturité et de donner tous leurs fruits. Vous êtes tous sauf un fonds vautour, comme on pourrait le dire, le qualifier parfois. Quels sont les secteurs d'activité? D'abord, est-ce qu'il y en a des secteurs d'activité qui sont plus particulièrement ciblés par BPI France dans le cadre de ce plan de relance? Alors, oui, le plan de relance, on intervient de deux manières. La première, c'est effectivement de manière directe, au travers du plan tourisme qu'on a co-construit, du plan climat qu'on a co-construit, notamment avec la Banque des Territoires, le plan touch pour toutes les industries créatives et culturelles. Donc là, on va intervenir directement auprès des entreprises au travers de conseils, mais aussi d'accompagnement financier, que ce soit en prêt, ce sont des prêts sans garantie, ce sont des prêts longs qui vont financer des besoins immatériels ou peu gageables, tout ce qui est difficilement finançable pour laisser la place aux banques de financer ce qui va être de l'ordre du tangible. Et ensuite, on intervient en tant qu'opérateur pour le compte de l'État pour gérer le plan, tout ce qui est plan automobile, aéronautique, mais aussi secteur critique. Je pense à l'agroalimentaire, je pense au déploiement de la 5G et aussi à la santé. Et diriez-vous que, alors c'est un peu la même question que j'avais posée à Patrick Martinez à l'instant, mais diriez-vous que la région est particulièrement dynamique dans les projets qui sont présentés, dans le nombre de dépôts de projets? La région Nouvelle-Aquitaine n'a pas à rougir effectivement du dynamisme de ses chefs d'entreprise, puisque en la matière, dans le cadre des plans de relance, des appels à projets sur territoire d'industrie ou secteur critique, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus de 63 projets exactement qui ont été financés, déposés et qui sont lauréats. C'est quasiment 130 millions de financements levés avec plus de 40 millions de 38 millions exactement d'aides sur ces projets. Et ça, ce sont effectivement des appels à projets qui sont menés conjointement avec la région, l'État et nous en tant qu'opérateurs, c'est-à-dire qu'on s'occupe de l'instruction et de la contractualisation effectivement de ces projets. Dites-moi, est-ce que vous diriez que vous croulez sous les dossiers ou est-ce qu'il y a encore de la place et est-ce que BPI France peut encore surnager sous les piles de dossiers? Est-ce que vous avez encore est-ce qu'il y a encore, vous avez de la marge et vous êtes très très demandeur de dossiers? Bien évidemment, on est demandeur de dossiers qualitatifs, ce qui est le cas pour bon nombre de dossiers. Ces appels à projets, c'est 600 millions, pour les secteurs critiques et 400 millions au niveau national pour les territoires d'industrie. Donc, il y a bien sûr qu'il y a de la place effectivement pour des projets qui sont matures, qui ont un impact sur les territoires en termes d'emploi, en termes de savoir-faire ou en termes de
de souveraineté technologique ou économique. Je pense notamment au secteur de la santé, au secteur de l'agroalimentaire ou au secteur des intrants dans l'industrie française. Pourriez-vous, avec l'aide peut-être de Patrick Martinez de la Banque des Territoires, nous parler du plan ambitieux que vous déployez conjointement, je dirais, en direction du secteur de l'hôtellerie, classique, et puis de l'hôtellerie aussi de plein air, deux secteurs qui sont traditionnellement forts dans notre région, mais qui sont particulièrement touchés par la crise actuelle. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous en parler ? Alors, je vous donne la parole tout de suite, et peut-être que Patrick Martinez voudra rajouter quelque chose. Très bien. Le tourisme, enfin, Patrick l'a dit tout à l'heure, hein, c'est, le tourisme en France, c'est la première fabrique mondiale de sourires et de plaisir. Donc, cette crise-là que les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie de plein air traversent en ce moment, c'est clairement un accélérateur de transformation. Et sur plein de sujets, sur le sujet RH, sur le sujet numérique, sur le sujet environnemental. Donc, on a construit BPI France et Banque des Territoires, et avec l'aide de la région aussi, un plan, je dirais, massif, chacun dans son couloir d'expression, pour mettre sur pied un dispositif qui soit agile. Et de manière concrète, BPI France, dans ce plan, c'est effectivement, on a de suite acté le report des échéances et on a réaménagé les dettes de nos clients sur un an. Ça a été effectivement la mise en place de PGE et du PGE saison aussi. Mais c'est surtout, et grâce notamment à la Banque des Territoires, le rehaussement du plafond du prêt tourisme à 1 milliard et au niveau unitaire à hauteur de 2 millions. Donc le prêt tourisme, c'est un prêt sans garantie avec des différés relativement longs jusqu'à 2 ans sur 10 ans de maturité pour financer le BFR, les investissements immatériels, pour permettre en fait la montée en compétences, la montée en gamme de tous les professionnels du secteur, mais aussi de permettre de passer ce cap-là, cette traversée du désert. Patrick Martinez, si vous m'entendez et si vous voulez compléter. Alors, comme l'a très bien dit Yves, on est en totale complémentarité. Oui. Nous, notre intervention va être plutôt sur les infrastructures et sur la partie réaménagement immobilier. Encore une fois, en proposant des méthodes qui existent, mais qui sont regardées parfois avec un peu de méfiance par un certain nombre de propriétaires aujourd'hui d'équipements touristiques, comme tout simplement de sociétés. Aujourd'hui, avoir par exemple un hôtel de la gamme 2 étoiles et vouloir monter d'un niveau pour passer à 3 étoiles, voire 4 étoiles, pour rejoindre un certain niveau de clientèle, c'est un sujet qui est tout à fait opportun. Se dire qu'on n'est pas forcément en situation de le faire, ça ne doit pas être un élément bloquant. On peut arriver dans la structure du capital de l'entreprise et de l'hôtel pour pouvoir injecter des fonds permettant de porter ces nouveaux aménagements et permettant de faire rejoindre le niveau qualitatif suffisant en apportant le capital qui le permet. Dans une autre façon d'agir, nous travaillons aussi, par exemple, sur des sociétés d'économie mixte qui structurent le fonctionnement touristique. Tout le monde a en tête l'importance du tourisme en Dordogne. En Dordogne, la Banque des Territoires est un des actionnaires majeurs de la SEM Tourisme. Ça veut dire que grâce à la Banque des Territoires et du département de la Dordogne, nous arrivons à mutualiser environ 14 équipements autour de l'équipement phare qui est l'ASCO 4, pour avoir un certain nombre de pratiques communes en termes de communication, de marketing, de billetterie et de promotion, ce qui permet d'avoir là un département qui peut s'adosser à un fonctionnement mutualisé et des structures qui bénéficient à tout l'écosystème, c'est-à-dire les services, l'hôtellerie, la restauration. Et ça fait vivre beaucoup, beaucoup de gens, parce que le tourisme est quand même un des fers de lance de ce département. Et ce niveau d'engagement, il arrive à, vous le disiez, hein, parfois il faut se faire un peu violence pour l'expliquer et le faire accepter. Ça a tendance à bien passer. Bah, écoutez, je comprends honnêtement aujourd'hui qu'un chef d'entreprise, hôtelier ou restaurateur, se pose des questions
sur son avenir. Bien ça sûr. Fait un moment qu'il n'a pas engrangé des recettes. Et donc, partant de là, il avait peut-être suffisamment de trésor. Le PGE a pu l'aider en la matière. On touche du doigt la problématique des entreprises françaises, c'est-à-dire parfois l'insuffisance des fonds propres. Bon. Mais ce n'est quand même pas, je dirais, scandaleux que de se dire qu'une banque publique va venir aider à améliorer les fonds propres et faire confiance aux chefs d'entreprise dans un apport de capital pour essayer de prendre le pari d'un développement. Moi, encore une fois, les sujets que nous avons à gérer, nous, c'est plutôt l'absence de projet ou la défiance vis-à-vis des modalités d'intervention que les moyens que nous mettons en ligne. Ils peuvent être parfois pas toujours en ligne avec les besoins. Et ça, je peux le comprendre. On peut être aussi dans un format d'exigence sur la nature des dossiers que l'on doit gérer. Ça aussi, c'est un sujet aussi de crédibilité. Mais ce qu'il nous faut, et c'est ce que le message du plan de relance, c'est que nous appelons des projets et nous appelons de l'ambition. Je reviens à vous, Yves Laporte. Et c'est un peu la question que j'avais posée à Patrick Martinez tout à l'heure. Ça peut paraître ultra choquant par les temps qui courent, mais vous diriez-vous aussi que cette crise, elle peut, via ce plan de relance, cette disponibilité de liquidité, devenir une véritable opportunité pour certains secteurs économiques? Et je ne parle pas forcément des plus ballottés, comme l'aéronautique, par exemple. Alors juste, je rebondis sur ce que disait Patrick tout à l'heure dans le cadre des fonds propres, notamment dans le secteur du tourisme. On a construit une offre en quasi-fonds propres, des obligations convertibles qui s'appellent, c'est le fonds FAST, fonds d'action de soutien au tourisme, où là, on a la possibilité d'intervenir sur des tickets relativement modestes, à partir de 50 000 euros jusqu'à 400 000 euros, pour venir compléter les fonds propres cofinancer des programmes de développement, d'adaptation au secteur, de changement de stratégie, qu'elle soit opérationnelle ou marketing, et ça sur une cible de clientèle qui est clairement la PME de l'hôtellerie ou du tourisme, donc de 500 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à 5 millions. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais je tenais à vous apporter cette précision. Sur la question, effectivement, est-ce que la crise crée des opportunités? Est-ce qu'il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres? Bien sûr qu'il y a des secteurs qui sont, chahutés, on l'a dit, le tourisme, l'aéro, l'auto, effectivement, ce sont des secteurs effectivement, qui sont en plein dans le nuage. Maintenant, des secteurs comme l'agroalimentaire, comme la santé, comme des entreprises qui évoluent dans le numérique, aujourd'hui, s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Et à ce sujet-là, moi, je vous invite à prendre connaissance de l'enquête de conjoncture semestrielle de BPI France Delab, qui fait état quand même que les entreprises de Nouvelle-Aquitaine sont globalement plus optimistes que la moyenne nationale sur la sortie de crise, et qu'elles ont finalement eu un recul d'activité moindre que les entreprises, que leurs homologues au niveau national. Donc, j'ai envie de dire, voilà, l'économie en Nouvelle-Aquitaine apparaît plus résiliente, effectivement, notamment par certains secteurs, que dans d'autres régions. Yves Laporte, je vous remercie. Je reviendrai tout à l'heure auprès de vous pour poser des questions qui, à mon avis, ne manqueront pas d'appeler des réponses de votre part. Jean-Baptiste De Senlis, vous êtes le directeur interrégional sud-ouest de CDC Habitat. Rebonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est CDC Habitat, filiale de la Caisse des dépôts? Oui, absolument. Filiale de la Caisse des dépôts, donc opérateur d'immobilier d'intérêt général. C'est au niveau national, c'est 500 000 logements sur la France métropolitaine et ultramarine. Pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu plus de 18 000 logements qui sont présents sur 230 communes. Ils sont composés de logements sociaux pour l'essentiel, mais également de logements intermédiaires ou abordables. Et nos métiers, sont des métiers de construire et de gérer ces logements d'intérêt général en intégrant le maximum d'innovations sociales, techniques. Et pour ce faire, on est une équipe sur la Nouvelle-Aquitaine d'un peu plus de 200 collaborateurs qui sont présents essentiellement sur Bordeaux, mais également on a des agences sur Pau et Limoges et des bureaux sur La Rochelle, Bayonne et dans différents points du territoire. Jean-Baptiste De Senlis, combien de logements, parce que 2020 a été une année qui n'aura échappé à personne, très
disons spécial, pour rester très poli, très spécial même. Combien de logements ont été mis en chantier en 2020? Alors en 2020, comme il y avait une période d'incertitude extrêmement forte, évidemment, hein, dès le début de l'année 2020, on a décidé de lancer un plan de relance par rapport aux logements, qu'on appelait le plan des 40 000 logements, se proposant d'acquérir 40 000 logements au niveau national, dans la crainte d'un trou d'air en fait, dans les opérations, d'un retard important dans le lancement de ces opérations, voire des annulations de programmes qui étaient tout à fait potentiellement avérées. Donc l'attente était forte puisqu'on a eu un grand nombre de propositions, donc on va sans doute dépasser d'ailleurs ce nombre de 40 000. Et pour la Nouvelle-Aquitaine, on aura à peu près entre 2200 et 2500 logements qui vont bien sûr venir en addition des logements qui étaient déjà ceux d'un développement plus classique. Ces 2200 logements sont des logements sociaux, intermédiaires, mais aussi des logements libres, abordables. Et globalement, pour nous, c'était effectivement une manière d'apporter un soutien à l'économie, hein, très clairement, de maintenir des opérations, comme je le disais, et notamment, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas que sur des métropoles, il y a aussi des territoires moins tendus, plus fragiles, et donc on est aussi intervenu sur des cœurs de ville ou des zones moins tendues sur lesquelles les opérations étaient plus fragiles. Et puis, on est aussi venu en soutien à des opérations de promoteurs qui sont des opérateurs locaux avec des tailles très modestes. Et donc, voilà, ça leur a permis aussi de sortir les opérations qui étaient prévues sur les territoires. Diriez-vous que le plan 40 000 logements a réussi là où il voulait, dans son objectif, c'est-à-dire nous faire passer le trou d'air économique qui se présentait à nous en 2020? Alors, c'est difficile de répondre. En tout cas, au niveau économique, c'est vrai qu'on a fait un effort important, hein, puisqu'on a, sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est plus de 400 millions d'euros, hein, qui vont être investis à ce titre-là. En revanche, on va venir en complément. Aujourd'hui, là, depuis quelques jours, on a lancé également un volet plus spécifique sur le logement social. Il était déjà intégré dans le plan de relance 2020, mais on l'a fait de manière plus spécifique. C'est aussi en soutien au défi lancé par Emmanuel Wargon, hein, d'avoir 250 000 agréments sur les deux prochaines années. Compenser l'année 2020 qui a été moins bonne, hein, qui a été une année contre-productive au niveau du logement social. Alors, il y a l'effet de la crise, il y a l'effet sans doute de l'installation aussi des nouveaux élus, puisqu'il y a une baisse de près de 20% des permis de construire. Donc, mécaniquement, il y a eu également une baisse de près de 20% des agréments de logements sociaux. Donc, il y a un rattrapage à faire et on s'inscrit dans le soutien de ce rattrapage. Et on sait que les besoins sont immenses en logement social, en intergénérationnel, pour les seniors, pour les étudiants, aussi en hébergement. Donc on participe fortement à cet effort-là à travers un plan de 42 000 logements. En tout cas, c'est l'ambition qu'on se donne au niveau national. L'intérêt étant surtout de pouvoir, au-delà des opérations d'acquisition, de venir en appui des aménageurs et puis de transformer des bâtiments existants, de bureaux ou autres, et de les conventionner, mais également aussi d'acquérir du foncier pour pouvoir développer des opérations neuves en maîtrise d'ouvrage directe. Certaines mauvaises langues disaient parfois que le logement social avait été un peu oublié du plan de relance. Vous partagez clairement pas cet avis? Ce deuxième volet atteste effectivement qu'on rattrape en tout cas ce qui a pu être un peu moins prioritaire en 2020. Bon, en 2020, c'était une année où tout le monde a effectivement essayé de trouver des solutions pour compenser, donc ça a été fait, mais il fallait le renforcer, donc c'est ce qu'a voulu le gouvernement, c'est dans la logique dans laquelle on s'inscrit également très clairement. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là, effectivement, parce que c'est vrai que c'est un des effets de la crise, il nous a rappelé aussi à quel point les crises étaient exposées les gens les plus fragiles, et aussi à quel point le logement social, moindrement, mais également le logement intermédiaire, permettent justement d'offrir du logement pour des personnes qui sont en fragilité. Donc ça a vraiment rappelé à quel point ce logement social en particulier était indispensable. Donc c'est vrai qu'il y a un effort à conduire par rapport à ça. Il faut qu'il y ait de la libération de foncier pour ce type d'offres, pour vraiment qu'on puisse justement avoir des offres de logement adaptées à tous les publics. En quoi ce plan de relance pourrait être une opportunité pour le secteur que vous représentez? Justement, vous l'évoquiez, la libération du foncier, il y a une pression qui est plus forte là-dessus. Et on sait que le foncier, ça a été un sujet très chaud, hein, pendant les dernières municipales notamment. Ce plan de relance et la situation qui est la nôtre aujourd'hui pourrait être, pardon, ça a quelque chose d'indécent de dire ça, mais pourrait être une opportunité pour le logement social?
Alors, en tout cas, il nous a appris effectivement qu'il y avait des messages qui étaient déjà là, hein, qui étaient présents, mais qu'on n'entendait peut-être pas suffisamment et qui maintenant sont bien présents et qu'on doit entendre. C'est déjà le fait qu'il y a des attentes en termes d'usage du logement qui sont plus forts, en termes d'espace extérieur, de conception des logements, de taille des logements, mais aussi des attentes aussi en termes de services pour pouvoir travailler. Donc, ça fera aussi imaginer des services partagés à l'échelle d'une résidence. Aussi en termes de co-conception, on sait bien que les premiers experts de l'usage du logement, c'est clairement l'habitant, c'est clairement les locataires. Donc, il faut les intégrer davantage dans nos processus de co-conception. Donc, on le fait avec des habitats participatifs, donc il faut qu'on aille plus loin, clairement. Et ils ont beaucoup de choses à nous dire, et on a beaucoup à apprendre de ces échanges. L'expérience nous le montre et nous en convainc. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique, effectivement, de finalement, quelque part, que les logements, mais aussi à l'échelle de la ville, hein, d'ailleurs, prennent davantage soin des habitants, qu'on soit vraiment dans cet accompagnement des besoins des habitants. Le confinement a clairement nous a montré qu'il y aurait un avant et un après en matière de logement tout court et de logement social en particulier. Oui, je pense qu'en tout cas, on ne peut plus se permettre de ne pas penser le logement comme un lieu d'extrême importance dans lequel la qualité de vie doit être la priorité absolue. C'est quoi le meilleur moyen pour soutenir le secteur? C'est de cibler les aides vers les territoires qui ont le plus de mal à trouver des investisseurs? Ça me paraît presque évident d'ailleurs. Oui, bien sûr. En tout cas, il y a vraiment un besoin, effectivement, de travailler aux échelles aussi de quartier, parce qu'on voit qu'il y a un problème quelquefois d'acceptabilité, en tout cas de compréhension des projets de logement. Donc, il faut vraiment les ouvrir dans une discussion vraiment en transparence, parce que on voit, quand on a des processus comme ça d'intégration de projets, il y a toujours un moment de frottement, d'interrogation avant, et il y a toujours un moment de satisfaction ou relative, en tout cas, de très rapidement après, ça fait partie du paysage et on voit bien que ces logements-là étaient utiles et qu'ils étaient aussi structurants aussi dans le fonctionnement du quartier et dans la trame urbaine. Donc voilà, c'est aussi plus de présence, plus de transparence, plus d'échanges avec le micro, la proximité, et notamment les ensembles des parties prenantes, dont les riverains. Et puis globalement, effectivement, il faut produire mieux, mais il faut produire. Donc il faut trouver des solutions, et c'est vrai que l'accès au foncier que vous rappeliez est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, il est quand même très limité, il génère des concurrences qui ne sont pas toujours créatrices de valeur, donc il faut aussi que ces fonciers soient mis à disposition dans des conditions ouvertes, de qualité de projet, pour qu'on puisse faire les meilleurs projets possibles, en termes de développement durable, en termes d'usage, et puis en termes d'utilité pour le territoire. C'est un appel aux élus, là, que vous lancez. Mais pas seulement, d'ailleurs, et aux propriétaires aussi. Pas seulement, mais aussi. Merci beaucoup, je reviendrai, enfin je vais revenir d'ailleurs tout de suite vers vous, Jean-Baptiste de Senlis, parce que vous avez peut-être des éléments de réponse. Je vais aborder, il nous reste quelques minutes, je vais aborder les questions, je vais me faire le porte-parole des lecteurs. Je vais vous poser une première question, elle est posée par Alex Arladen, qui est un entrepreneur, vous allez le voir tout de suite. Alors c'est une question très technique et ultra personnelle, mais quand même. Alors bonjour, nouvel acquéreur d'un restaurant depuis le 1er novembre 2020. Je n'ai pas le droit au fonds de solidarité et mon banquier refuse une rallonge de mon emprunt ou un PGE sous prétexte que je n'ai aucun bilan à mon nom. J'ai pourtant acheté un fonds de commerce à 55 000 euros. Il paraîtrait logique qu'en tant que continuateur de l'activité, je bénéficie des bilans de mon prédécesseur. Or, ce n'est pas le cas. Donc, que proposez-vous réellement aux nouveaux entrepreneurs? Et quand est-ce que les décrets et les banquiers incluront les repreneurs d'activité en pouvant se baser sur les anciens bilans? Elle est compliquée, hein? Dites-moi, qui veut s'y coller? C'est Yves. C'est une question pour Yves Laporte, là, non? Yves. Excusez-moi, je veux bien répondre, effectivement. Dans le cadre du... Le PGE, il est régi aussi par la réglementation européenne, et donc on se base effectivement sur les bilans 2019, sur l'activité 2019, et dans ce cadre-là, effectivement, il arrive que... il n'y a pas possibilité d'intervenir en PGE. Je crois que c'est ce qu'explique là votre auditeur. Bon. Néanmoins... il peut effectivement solliciter un financement auprès du Codefi pour pouvoir débloquer la situation. Si le PGE, globalement,
vous en avez, enfin, Patrick Martinez en a dit quelques mots tout à l'heure. Le PGE à date, c'est 648 000 entreprises qui ont été aidées, c'est 133 milliards qui ont été débloqués. En Nouvelle-Aquitaine, c'est 65 000 entreprises qui ont été aidées avec un taux de refus qui est très faible, de l'ordre de 3 %. Donc effectivement, dans certains cas précis comme celui-là, qui ne rentre pas dans le cadre du PGE, on peut actionner effectivement des aides du co-défi pour débloquer la situation. Il n'y a pas de trou dans la raquette, il peut être éligible à d'autres aides. Tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, si je puis me permettre cette réflexion, c'est dommage qu'on ne prenne pas en compte les bilans précédents, dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Alors, attention, le PGE sert à financer des besoins de trésorerie liés à la crise. Si effectivement là, on est dans une reprise d'activité, on n'est pas dans le cadre du PGE. On est sur un financement classique de fonds de commerce, d'exploitation. Alors là, effectivement, l'activité étant arrêtée, c'est un peu plus compliqué. Mais en l'occurrence, effectivement, on prend l'activité de 2019. En l'occurrence, la question suivante sera sans doute aussi pour vous, Yves Laporte. Je vois déjà Patrick Martinez vous solliciter tout de suite. Y a-t-il, c'est Marie Robertson, qui est entrepreneur elle aussi, qui demande, y a-t-il des aides prévues pour les loueurs en meublé professionnel ? Aussi très orienté. Des aides pour passer la crise, le secteur locatif n'est pas exclu effectivement du PGE. Donc effectivement, le PGE peut permettre de combler, gérer les besoins de trésorerie hein, de cette activité-là. Oui, d'accord. Tout à fait. Merci pour cette réponse. Alors, trois autres questions de lecteurs anonymes. Nous sommes dans un temps de crise totalement inédit et atypique. Est-il raisonnable de dire aux collectivités et aux porteurs de projets privés, c'est ce qu'on vient de faire là, donc est-il raisonnable donc de dire aux collectivités et aux porteurs de projets privés, investissez, pour ne pas dire endettez-vous ? Est-ce que c'est raisonnable ? Il me semble que c'est raisonnable de s'endetter si le projet qui est présenté a une raison d'être. Encore une fois, on parle depuis tout à l'heure de projets qui sont tous cohérents, qui sont tous nécessaires. C'est-à-dire, encore une fois, imaginez le tourisme en développement, c'est nécessaire pour cette région. Imaginez des qualités d'infrastructure. Aux normes de l'environnement, c'est nécessaire pour cette région. Je ne vois pas ce en quoi il faudrait quelque part ralentir. Si on ralentit, ça veut dire que quelque part, on accepte que la crise arrête tout. Si le problème n'est pas un problème de qualité de dossier et de financement de dossier, il n'y a pas de raison de s'interrompre. Après, c'est un sujet de confiance. Une confiance dans le modèle que l'on propose aux financeurs. Oui. Et la Banque de Territoire est une banque publique, elle n'a pas vocation justement à prendre des risques inconsidérés non plus. Alors, la Banque des Territoires, elle gère des fonds publics. Oui. Hein. Notre principale source de financement, c'est quand même l'argent des Français. Et, oui, exactement. Et d'ailleurs, au passage, je tords le cou hein, à ceux qui pourraient indiquer qu'il n'y a pas suffisamment, je dirais, de possibilités d'apport dans les fonds propres des entreprises. Ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui hein, entre l'action de BPI et nous-mêmes, c'est quand même quelque part de prendre de l'argent déposé au titre de l'épargne pour le mettre hein, dans le fonctionnement de l'économie. Bon, que ce mécanisme ne soit pas aussi bien régulé que dans d'autres pays comme dans les pays anglo-saxons, ça c'est vrai. Et qu'il y ait une nécessité pour les chefs d'entreprise à faire plus d'efforts pour renforcer leurs fonds propres, ça, c'est vrai aussi. Bon, parce que cette question-là, elle est structurellement une problématique de l'entreprise française. Mais pour autant, les actions que nous conduisons aujourd'hui visent à créer de la confiance entre des banques publiques, ce que le système bancaire fait aussi habituellement, vis-à-vis de modèles économiques qui fonctionnent et qui ont besoin d'être soutenus au quotidien et pour le développement de projets. Merci pour cette réponse. Si vous n'avez rien à ajouter là-dessus, j'ai une question de Robert de Salles. Alors, a priori, entrepreneur aussi et à Salles. Alors, je pense que c'est un pseudo. Le plan de relance actuel est-il, selon vous, dimensionné pour transformer durablement notre modèle économique ?
En tout cas, c'est un pari sur l'évolution du modèle économique. Encore une fois, si on intègre plus de nouvelles variables hein, en fonctionnement de logements, de développement des entreprises, d'innovation, on va optimiser le modèle économique. Bon. Donc, partant de là, il me paraît vraiment important de se dire qu'avant tout, on essaye de conforter et de développer un certain nombre de modèles à travers le plan de relance. Bon, donc du coup, bon, je dirais que là-dessus, faisons les efforts et travaillons ensemble, portons des projets, apportons une écoute suffisante aux chefs d'entreprise et aux collectivités qui souhaitent prendre ce virage, et à partir de là, on en fera la démonstration. Yves Laporte, c'est votre avis aussi ? Oui, enfin, tout à fait, je confirme tout à fait effectivement ce qu'a dit Patrick Martinez. Moi, ce que je veux dire, c'est que cette crise, elle a mis en avant la nécessité de se transformer très rapidement sur les enjeux, je dirais, climatiques. Et cette crise, c'est avant tout un accélérateur des transformations. Je l'ai dit pour le tourisme et je le dis aussi là pour les enjeux climatiques. Et il y a un constat qui est assez frappant, c'est que 80% des chefs d'entreprise qu'on a interrogés sont convaincus de la nécessité de changer de modèle et d'engager la transition énergétique. Sauf que dans les faits, il n'y a que la moitié qui passe à l'action par manque de temps, par manque d'argent, par manque de méthode aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place effectivement le plan climat, qui est un plan majeur, et permettre avec nos partenaires, Banque des Territoires, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, d'accompagner en fait de manière concrète les entreprises sur le sujet de la transition environnementale, écologique. On propose de les accompagner par le biais de diagnostics pour faire un état des lieux et les conseiller sur les sujets sur lesquels ils doivent effectivement évoluer. On leur aussi fournit des financements, notamment par le biais du prêt vert, qui est sur des durées longues un peu. On a fait un petit peu sur le tourisme, on le décline aussi sur le climat pour pouvoir financer des projets qui ont une maturité un peu lointaine. Et c'est aussi la communauté du coq vert, donc le coq là que j'ai derrière moi, c'est un coq qui est tout naissant, mais c'est une communauté d'entrepreneurs qui sont lancés dans la transition énergétique, qui innovent pour autour des enjeux climatiques. Voilà, cette communauté là, c'est une sorte de ressourcerie, j'allais dire, pour tous les chefs d'entreprise qui veulent structurer leur action de démarche de transition écologique. Et ça, c'était un peu pour la vision macro. Mais si au niveau micro, quelques exemples concrets du plan climat et de cette nécessité effectivement de transition, ça se traduit comment ? C'est par exemple une entreprise qui est située dans les Landes qui va investir dans une nouvelle ligne de fabrication pour fabriquer des sacs qui sera issu dans la matière, donc sera issu de bois de la forêt d'Aquitaine en substitution de sacs plastiques. Voilà, ça pour un secteur de nourriture pour animaux. Donc ça, c'est concret, c'est effectivement avec une maturité de quelques mois. Et c'est aussi des projets plus structurants, notamment dans l'aéro, où on a des entreprises qui vont essayer d'intégrer de la technologie d'impression 3D pour essayer de prendre d'autres marchés, de se repositionner, de monter en gamme sur des nouveaux marchés. Donc le plan de relance, c'est à la fois des projets structurants qui ne sont pas de suite visibles par les citoyens, par les consommateurs, mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit là, des projets très concrets et qui vont modifier de manière assez significative notre quotidien. En clair, je vois le kakémono derrière vous, que tout le monde voit aussi. Climat cherche patron militant. Vous n'avez pas de mal à trouver ces patrons militants, a priori. Bah écoutez, on n'a pas de mal. Il y a une vraie émulation sur le sujet. Et on fait tout, effectivement, pour que cette communauté du coq vert grandisse et prenne son plein essor. Je vais enchaîner sur la dernière question. Vu de l'extérieur, alors qui est toujours de Robert de Salles, entrepreneur à Salles, donc. Vu de l'extérieur, on a l'impression que ce plan de relance ne s'adresse qu'à des gros projets structurants éloignés de notre quotidien qui, lui, est plus lié à la survie de nos entreprises. Alors, je pense que c'est du vécu. Est-ce qu'il a raison d'avoir ce sentiment-là ?
Et si là, c'est peut-être notre faute, Média, nous n'expliquons peut-être pas assez ce qu'est ce plan de relance, finalement. Non, je pense que c'est une vision un peu caricaturale des choses. Ce n'est pas parce qu'on a une masse d'argent affichée, 100 milliards d'euros, que l'on doit se dire qu'on est en train de travailler en macroéconomie. Un exemple, lorsque la Banque des Territoires accompagne la relocalisation d'une entreprise agroalimentaire à Nontron, le chêne vert pour la cité, excellente usine agroalimentaire produisant du fromage de chèvre à partir de production bio. Ils avaient besoin de changer de lieu. Ils sont allés se reporter à 2 km. Au final, c'est 8 millions d'euros d'investissement. On apporte 500 000 euros. Derrière, il y a 14 emplois de plus. Ça va faire travailler des entreprises du secteur. Ça, c'est un projet à l'échelle du territoire, du nord d'Ordogne. Et voilà l'exemple même, je dirais, de la traduction du plan de relance. Lorsque Jean-Baptiste et ses équipes rachètent des logements, ce sont les entreprises du territoire qui sont là. Ce sont des artisans du territoire qui travaillent. Donc aujourd'hui, il ne faut pas opposer un montant qui est un montant d'affichage, d'objectif à atteindre, c'est-à-dire arriver à saturer les 100 milliards, et l'économie locale, la petite entreprise qui finalement ne serait pas concernée. Tout le monde est concerné, du celui qui porte le projet à celui qui le réalise. Et nous, on est un acteur qui est en situation de faire que le financement rejoigne le projet. Quels que soient les acteurs, quelle que soit la taille de leur entreprise et la taille de leur projet, ils n'ont aucun intérêt à s'auto-censurer, quoi, clairement. Très clairement, on va avoir des projets de toute taille. Aujourd'hui, on examine, par exemple, en Dordogne, un projet de rénovation pour un hôtel. Il y aurait une extension à faire pour 8 chambres supplémentaires. Bon, on est sur un petit projet, il fait 300 ou 400 000 euros. On va l'examiner, bien entendu. On va l'examiner comme on a examiné la nécessité de faire un plan d'investissement massif sur le Futuroscope qui va porter sur 300 millions sur les 10 prochaines années. Donc on est bien aux deux niveaux, on est bien aux deux échelles, et tout projet a sa valeur. Et notre force, c'est aussi de faire naître ces projets sur les territoires. Yves Laporte, les chefs d'entreprise, les décideurs économiques ont conscience du fait qu'effectivement, tous les projets méritent, et tous les projets porteurs, je dirais, intéressants, méritent examen et méritent d'être défendus. Ouais, l'enjeu de toute façon de ce plan de relance, clairement, que ce soit dans les secteurs critiques ou dans les autres appels à projets, c'est l'impact en fait que va avoir le projet sur le territoire. Voilà, c'est vraiment le maître mot, c'est le fil rouge. Ouais. L'impact sur le territoire, c'est en termes de savoir-faire, de compétences, de monter en compétences effectivement des collaborateurs qui constituent les entreprises, mais aussi en termes de monter en gamme technique ou de sauvegarde d'emploi. Donc voilà, c'est ce qui c'est la colonne vertébrale de ce plan de relance. De Senlis, là on parle quasiment du ruissellement lié à ces projets financés et accompagnés. Juste pour indication, un logement rénové ou un logement construit, c'est combien d'emplois et sur combien de temps? Bien, c'est effectivement, comme l'a rappelé Patrick Martinez, c'est de l'emploi non délocalisable, donc c'est des entreprises généralement locales. Et effectivement, j'ai plus les ratios en tête, mais c'est vrai que c'est vraiment de l'emploi réellement préservé. Il y a des embauches permanentes dans le secteur du bâtiment. Ils ont besoin de personnes formées, ils ont besoin d'encadrement. Donc c'est vraiment un secteur dynamique et qui, malgré tout, arrive à maintenir un rythme de production et finalement un rythme de génération de flux économiques. Donc c'est effectivement important, au-delà de l'adage bien sûr, mais c'est au-delà de l'important d'un point de vue économique, c'est important de le préserver bien sûr, et puis au-delà bien sûr de la finalité qui est quand même de trouver un habitat adapté pour les personnes.
Nous sommes arrivés au terme de cette webconférence. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation, en espérant qu'effectivement, elle aura levé certaines interrogations auprès de porteurs de projets, qu'il s'agisse de collectivités ou d'entreprises. Et on l'aura bien compris, entreprises de toute taille, qu'importe la taille, pourvu que le projet soit intéressant et avec des retombées sur l'emploi et la dynamique, en tout cas locale. J'espère qu'on aura compris cela. C'était le message que nous avons essayé de faire passer, vous plus brillamment que moi. Merci encore. Merci Patrick Martinez, Yves Laporte et Jean-Baptiste de Senlis. On va se quitter là-dessus et sachant que cette webconférence pourra être revue et revue pour ceux qui auraient manqué quelques minutes pour des problèmes techniques, mais a priori tout s'est plutôt pas mal passé. Je m'en félicite. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.